chers amis, chers collègues, chers clients, chers partenaires, eh bien nous y voilà. Nous y voilà au lancement de ce nouveau 3008. Nouveau 3008, me direz-vous ? Un objet qui marche depuis 2009, avec des codes design, un eye cockpit, un toucher de route, une impression générale de leader, un succès mondial, ce leader qui a fait 800 000 ventes depuis 2016, ce leader qui a gagné la voiture de l'année en 2017, ce leader qui a fait 2 Dakar, ce leader-là qui nous a amené où nous en sommes aujourd'hui, cette icône dont on est amoureux, il fallait qu'on la fasse bouger. Pourquoi ? Parce que être leader, c'est être en avant. Être leader, c'est avoir une vision. Être leader, c'est prendre des risques. Être leader, c'est toujours aller un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus fort, tout en capitalisant sur ce qu'on sait faire. Et ce risque-là, on l'a pris. On l'a pris et vous allez voir que ce risque-là, on devait le prendre parce que l'objet que vous allez découvrir est à la hauteur de celui qui a fait la réputation que nous avons maintenant. Alors, pour tout vous dire, au tout début du projet, nous avons considéré 3008 et nous nous sommes dit comment le faire évoluer. Finalement, très simplement, 2 principes fondamentaux. Le premier d'entre eux, le style d'abord. C'est-à-dire qu'on s'est dit, l'objet 3008 phase 2 doit être au moins aussi attractif en design que l'objet 3008 phase 1. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est réussi. Deuxième priorité, un intérieur qui évolue toujours plus haut, toujours mieux et qui s'accompagne d'une injection technologique de dernier cri, ce qui est le cas du eye cockpit de ce nouveau 3008. Et enfin, sur le plan des moteurs, accompagner la transition énergétique par une offre de plug-in hybride de roues motrices, 4 roues motrices, qui est à la hauteur de la réputation de cette voiture. Voilà les principes qui nous ont guidés, mais je passe la parole évidemment à Yann Borel, le patron du design de 3008, qui va vous raconter la suite. Merci Jean-Philippe. Pour toutes les équipes du style, chaque nouveau projet est une fantastique opportunité de changement. Et nous sommes convaincus que pour être un leader et garder un coup d'avance, il n'y a pas de meilleure stratégie que de proposer un style inspiré, surprendre nos clients en permanence et avoir de l'audace. Pour cette nouvelle Peugeot 3008, nous avons opté pour une transformation radicale de la face avant, mais sans trahir la précédente. Elle devait gagner en statut et conserver une identité très affirmée. Plus précisément, la calandre se libère de ses contours et se prolonge jusque sous les nouveaux projecteurs LED, puis sous forme de dégradé couleur caisse jusqu'au grand DRL oblique, nouvelle signature de cette face avant. Nous avons sculpté le bouclier avant lui-même, les écopes latérales, le décor en bas de bouclier, afin de lui donner un maximum de prestance et la meilleure posture possible. Sur la face latérale, la nouvelle Peugeot 3008 est dotée de roues 19 pouces au design inédit, évoquant la modernité et l'aéro-efficience. Sur la face arrière, nous avons concentré nos efforts sur ce qui est pour nous le principal vecteur de modernité et de technologie perçue, les feux. Ils mettent en scène notre signature identitaire 3 griffes, à l'aide de lames transparentes, serties dans un écrin de noir laqué et de noir mat, le tout recouvert d'une glace légèrement teintée pour donner un côté un peu mystérieux. Ces feux sont full LED, présents sur toute la gamme et proposent un indicateur de direction à défilement. Cette signature lumineuse 3 griffes sera éclairée de jour comme de nuit. À l'intérieur, pour le renouvellement du e-cockpit Peugeot, l'équipe couleur et matière propose de nouveaux décors bois, de nouveaux garnissages de sièges, que nous compléterons avec une nouvelle dalle centrale 10 pouces tactile et l'évolution de la dalle du combiné qui intègre désormais la technologie Normally Black, gage de noir profond. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent un supplément de caractère et de dynamisme, nous avons imaginé une finition optionnelle, inédite, le Black Pack, où le noir est à l'honneur. Nous appliquons un traitement couleur et matière spécifique sur un grand nombre de pièces à l'extérieur du véhicule. Cette finition Black Pack apporte au nouveau Peugeot 3008 une expression très exclusive.
En guise de conclusion, je dirais que le nouveau Peugeot 3008 est une très belle expression du Brighter Design et qu'il a tous les attributs stylistiques qui vont lui permettre de continuer sa route comme un leader. On a décidé de proposer à nos clients une face avant qui finalement dit montée en gamme. Mais elle dit aussi efficience et technologie. Nous avons fortement développé les motorisations hybrides 225, hybrides 300 chevaux sur cette voiture. Nous voulions que la face avant de la voiture fasse part de cette efficience. Parlons maintenant un peu de l'intérieur de notre voiture. Alors vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Le Peugeot iCockpit est l'USP de la marque Peugeot. On introduit une nouvelle dalle de 10 pouces qui va nous permettre d'augmenter, d'améliorer l'ergonomie de la voiture tout en passant un message de technologie. On a aussi amélioré la lisibilité du combiné devant le conducteur de façon à améliorer encore son expérience de conduite. Parlons maintenant un peu de technologie. Alors je vais vous citer deux exemples. Le premier, c'est les ADAS. En termes d'ADAS, la voiture va proposer le Highway Integrated Assist, qui est le meilleur niveau d'assistance qu'on propose aujourd'hui chez Peugeot, qui a été introduit sur la 508 et que nous allons désormais proposer sur la 3008. La deuxième technologie que je voudrais mettre en avant, c'est le Night Vision. Le Night Vision, c'est un élément de sécurité qui est particulièrement bien adapté au Peugeot iCockpit. Parce que l'information est au-dessus du volant, le client qui utilise le Night Vision a une vision immédiate des dangers qui sont sur la route. Donc à la fin, de quoi parle-t-on ? On parle d'une voiture qui est ambitieuse et bien sûr qui est là pour garder dans les mois, dans les années à venir, son leadership. Et je suis sûr que vous allez énormément aimer la nouvelle Peugeot 3008.